les enfants, on se donne vraiment l'énergie. C'est parti. Yann. 1, 2, 3, 4. Donnez du sourire à ceux qui n'en ont pas. Inventez son avenir. Ne pas penser qu'à soi. Donnez du sourire à ceux qui n'en ont pas. Inventez son avenir. Ne pas penser qu'à soi. On a été étonnés de voir que assez rapidement ils ont écrit des choses positives. Les paroles parlent d'elles-mêmes, mais je trouve que c'est optimiste. C'est pas forcément l'image qu'on a du quartier où il y a des problèmes. Non, eux, ils parlent d'aller explorer le monde. Je trouve ça vraiment c'est encourageant, c'est optimiste. Le principe du projet, c'est qu'il y ait un échange entre les artistes et les enseignants. On propose, la Ligue de l'enseignement propose plusieurs projets. Et les enseignants choisissent les projets qui les intéressent. Au niveau donc de l'écriture, c'est vrai que ça permet d'avoir des enfants qui, peut-être d'habitude, sont timides, réservés. Là, j'ai vu qu'ils s'exprimaient de façon spontanée, librement, et donc j'ai pu entendre parfois plus le son de leur voix que dans le reste de l'année. On n'a pas la même couleur de peau. À peau, tu respires. Mais on est tous égaux, tu vois. Sarida, elle le dit bien dans le rythme, en fait. Toi, tu fais, on n'a pas tous la même couleur de peau, mais on est tous égaux. Là, il n'y a pas de pause. Ce qu'il y avait d'un peu spécifique cette année, c'est qu'il y en avait trois qui étaient déjà dans la classe dans laquelle on est intervenu dans cette école l'an dernier. Et du coup, ils ont pas mal motivé les autres en leur disant que c'était vraiment une belle expérience. Et je pense que ça a compté pour les motiver. C'est quoi les trois dernières phrases ? Là, on fait une pause et on reprend la musique juste après, d'accord ? Bloqué ! J'ai vu ça dans un cours de yoga. Hey, c'est dommage. Et Thomas et Jérôme aussi, je trouve que ils ont une approche spontanée, ils ont un contact facile avec eux. Ça s'est passé très rapidement, simplement, comme s'ils les connaissaient depuis longtemps. Voilà. Ils n'avaient pas d'appréhension pour leur donner leurs idées. Je trouve. Je me suis des mots dans l'air. Yeah, moi, nous les écrits comme un coloriage. Oh, tu sais couleur, mon Dieu. Oui. Non, c'est Jérôme, ton choriste. Hein. Laisse-le faire les cœurs, peut-être. 4. Pouls, pouls, Wally. Pouls, 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 pouls. Pour le texte, on fonctionne vraiment toujours de la même manière. On veut que les idées viennent d'eux-mêmes. Donc ça a été un petit tirage au sort à partir de leur thème à eux. Et puis après, on a voté pour voir quel thème plaisait le plus à la classe entière. Et au niveau de l'écriture aussi, on a travaillé sur la cohérence, le sens, le temps, tout le contenu en français qu'on aborde au cours de l'année. Ça permet de le réinvestir dans une écriture collective. Ouais. Vous le défendez votre terrain, les gars. Le ballon. Ouais. Abdoulaye, tu le passes, le ballon. Passe-le. Ouais. Comme si c'était un fruit précieux, quoi. Passe-le, le ballon. Ok. Ok. Bon, les gars. La classe géniale. Il y a une ambiance de dingue. Même tout à l'heure, on les a poussés. Ils étaient un peu fatigués. Et puis après, on les a poussés un petit peu. Ils ont repris de la patate, et puis voilà quoi. Donc nous, on est morts. Il se laisse emmener quand même. Hein, il se laisse emmener, voilà. Il veut que je tienne le micro, c'est ça. Tu vois, il est fatigué, tu vois. C'est un truc de fou quand même. Non, mais plus sérieusement, vous levez les bras devant les filles, vous les encouragez. C'est tout ce que je vous demande, d'accord ? À la rappeur. Allez, oh, allez, comment ? Et à les filles ? Les filles, bon, voilà. Hey!
crois que je suis parti très loin. Très très loin, comme jamais. Je suis dans l'hilarité. Comme... Hein. Les enfants, applaudissez-moi. Génial, génial. Ah ouais.